Bonjour mes chers élèves, on va faire un petit récapitulatif de l'épisode numéro 5. La maîtresse a emporté la chenille dans la cour de l'école et elle l'a installée dans une coquille de noix. Mona a peur d'un nid de pies parce que les pies risquent de manger Charlotte et elle propose qu'il ne faut pas que Charlotte passe la nuit dehors. Passons à l'observation de l'illustration de l'épisode 6. Le titre de l'histoire, c'est toujours « Magie à l'école ». Les personnages de l'histoire sont Mona, Paco, la maîtresse et le maître, les enfants et la chenille. Ils sont dans la cour de l'école. Paco fait la courte échelle à Mona. Dans la cour de l'école, les enfants jouent à la marelle, à la corde et à cache-cache. Le maître et la maîtresse discutent entre eux. Et sur l'arbre, je vois la chenille et à côté, il y a un écureuil. Pourquoi Paco fait la courte échelle à Mona? C'est ce qu'on va découvrir maintenant en lisant le texte, page 44. Magie à l'école, épisode 6. À la récréation, Paco et Mona courent vite dans la cour de l'école chercher la chenille. Elle s'est réfugiée en haut du pêcher. Mona demande à Paco de lui faire la courte échelle. Elle pose son pied dans la main de son copain et se met à escalader. « Oh ! J'ai vu un bébé écureuil !» s'exclame Mona. Mais Paco, qui a le nez bouché, éternue. Paco se mouche avec l'écharpe de Mona. Mona râle car son écharpe est sale. Elle perd l'équilibre et tombe. La maîtresse arrive, inquiète. « Tout va bien? Rien de cassé? »« Ça va, merci !» répond Mona. Paco s'excuse auprès de Mona de l'avoir fait tomber. « Pour me faire pardonner, je t'achèterai un éclair au café chez le boulanger. » À la récréation, Paco demande à Mona d'aller vite dans la cour de l'école pour chercher la chenille. Mona demande à Paco de lui faire la courte échelle parce que la chenille est sur l'arbre. Paco, qui a le nez bouché, il a éternué et il a fait tomber Mona. La maîtresse est arrivée inquiète. Elle demande à Mona si tout va bien. Paco s'excuse auprès de Mona de l'avoir fait tomber. Mona lui dit que ce n'est pas grave. Mais il doit lui acheter un éclair au café chez le boulanger.